j'ai besoin de votre aide. Il y a quelques mois, donc, on sortait Devine le jeu de mots, donc ce concept original dont on est plus que fier, mais il s'est passé quelque chose en coulisses dont je ne vous ai pas parlé. Quand on crée ce genre de projet, c'est le nerf de la guerre, il y a des sous qui sont mis en jeu. Rémunération ou défraiement des équipes, nourriture, boisson, happening, location de matériel, location des lieux, bref, c'est un gouffre financier lorsqu'on n'a pas de partenaire. Sur l'épisode 1, on a pu amoindrir les frais avec Frita Papa qui a pu nourrir les équipes, Paradox Brussels qui a pu remercier tout le staff en leur offrant des vêtements apportés pendant le tournage et aussi pour après, et la 3D Pills qui a permis d'abreuver les équipes lors des petits moments de pause. Mais à côté de ça, on a eu des promesses. Des promesses qui n'ont pas été tenues. C'était des sommes qui nous permettaient de sortir une belle grosse production. Et on l'a fait, hein, entendons-nous, on en est super fiers. Mais du coup, tous ces sous qu'on nous avait promis et qui nous ont permis de faire une grosse production, ils sont jamais arrivés. Et donc, on a investi beaucoup d'argent dans quelque chose qui nous a jamais été rentable. Maintenant, avec le recul, c'est un bon investissement parce que Devine le jeu de mots numéro 1 nous permet d'avoir une jolie vitrine pour montrer ce dont on est capable et donc aller chercher de nouveaux fonds, du nouveau matériel, des nouvelles équipes. Donc, au final, c'est pas plus mal. Mais aujourd'hui, on prépare l'épisode 2 et j'ai besoin de votre aide. On a lancé le Tipeee de l'épisode 2 de Devine le jeu de mots. Alors Tipeee, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet d'enregistrer les donations dans le cadre de la création d'un projet ou du soutien des créateurs de contenu. Notre objectif pour l'épisode 2 est le suivant. Récolter d'ici début septembre 1 500 €. Alors c'est beaucoup pour certains, peu pour d'autres, mais c'est une première estimation des frais que pourrait engendrer le tournage, la pré-production et la post-production de cet épisode 2. Si vous avez aimé le premier épisode ou que vous voulez soutenir la création du suivant ou nos créations de manière générale, le lien est disponible sur mon profil ou en commentaire, ça dépend sur quel réseau vous êtes, de toute façon ce sera marqué pas loin. Alors donnez ce que vous savez si vous voulez, 1 € c'est déjà un soutien pas possible et c'est super de le faire, mais si vous n'arrivez pas à donner de dons parce que c'est pas possible pour vous, no stress, un petit partage de la cagnotte c'est déjà un soutien monstre pour nos contenus. Ah oui, et j'oubliais, vos sous ne vont pas dans le vent, si les 1 500 € ne sont pas rassemblés pour le tournage de l'épisode 2, vous serez entièrement remboursé de ce que vous avez investi. Un tout grand merci à ceux qui sauront nous apporter leur soutien d'une quelconque manière. À très vite sur les réseaux, c'était Egonate. Ciao.